Nous sommes dans un lieu particulièrement historique et sensible du point de vue de l'architecture. Le projet avait déjà eu une pré-étude de l'architecte en chef des monuments historiques, Mester de Parage, à qui le problème avait été posé, et lui-même avait suggéré déjà de façon relativement détaillée cette situation. Donc un peu audacieuse quand même, juste au chevet de l'abbatiale, mais cette audace étant compensée par une discrétion absolue. L'idée qu'a eue Mester de Parage, qui me semble particulièrement judicieuse, c'était de réutiliser l'espace qui avait été l'ancien jardin du directeur du pénitencier, mais en même temps en conservant l'altimétrie actuelle, ce qui le rend évidemment totalement invisible.